Libre. C'est un peu impolitique de la montagne, oui. Affirme. Et de la ventilation. Et je vais monter court. Donc là, j'ai un système qui me contrôle automatiquement la vitesse du moteur. D'accord. Et donc il part automatiquement et il se met à 100%. Toi, il faut que je sois dans le vert là. Les deux aiguilles. Ça, c'est le rotor. Oui. C'est le plus important de l'hélicoptère. Et ça, c'est le moteur. D'accord. Et il faut que les deux aiguilles se croisent là-haut. Mike, on a couverlé. Les loups sont à bas de gaz. On a de l'essence. Libre à droite. Libre à gauche. Ok. Bah, il y a un chien. Directo a la bahía para la esquina. Mike Shanky. Affirme. 1:16. Donc je vérifie que tous les voyants sont au vert, enfin il n'y a pas de voyant allumé, tout est en vert, etc. Donc là je vais incliner très légèrement mon cyclique. Bon. Ah, hop, j'ai attaché. T'as senti? Ouais. D'accord. Et là j'augmente ma vitesse jusqu'à 50 nœuds. Voilà, 55 nœuds, et là je monte tout doucement. Tu vois, rien de... Ouais, là, voilà. Notre monte, bon, c'est des heures et des heures de travail, mais... Los 90 grados, menos 5 nœuds, QRH estándar, 2992, responde 1-1-0. Toute la complexité de l'hélicoptère, en fait, c'est dès que tu fais une manœuvre, si j'avance, je suis obligé de régler ma vitesse et je suis obligé de régler mes pieds. Donc c'est la coordination des trois mouvements qui fait que constamment tu es dans... Ouais, la piste est juste en face en fait. D'accord. Bon, on va bien sur le GPS. Donc évidemment le but ici, hein, bon, avoir un joli pilotage, la transition soit douce et que ta vitesse ascensionnelle en fait ne bouge pas trop. Voilà, tu vois, je vais être entre 200 pieds, 100 pieds, pour arriver sur le point, vraiment dans une pente très douce. Donc là, j'ai un petit programme qui m'enregistre toutes mes données de vol. Et après, ça me permet de les repasser et de bien voir si j'ai fait bon, un peu de la navigation, on va dire un peu théorique, c'est-à-dire toujours garder la même altitude, d'avoir une vitesse dans les canons, 60 minutes de temps, d'avoir une approximation qui soit sympa. Mike Yankee Mike continúa su aproximación para Paño Verde del este de la pista y sus intenciones son en detención total. Donc là je respecte toujours un peu la vitesse au cas où j'ai une pète moteur, tu vois, de telle manière à ce que j'ai un. Mike Yankee Mike, libera la frecuencia, que tenga buenas tardes. Frecuencia, Mike Yankee Mike. Eh ben dis donc. Sympa. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Ça doit être un plaisir de sortir ça le week-end avec les filles. La vue que t'as là-haut, c'est quand même autre chose que la Rambla. Hein.